De manière claire, ce que je pense que nous avons identifié au niveau des SICO, c'est que dans toute l'Afrique de l'Ouest, en fait, dans toute la région, quand il y a des très gros investissements, donc ces investissements sont faits généralement des fois par des grosses multinationales européennes, chinoises, américaines et tout ça. Donc, bon, c'est un projet très très important. Mais nous, on pense qu'il y a un créneau qui est clair, qui nous intéresse, c'est juste en dessous de ces grosses multinationales. On pense qu'il y a un vide qui n'est pas totalement occupé. Donc, il y a beaucoup d'entreprises en Afrique, mais qui démettent de très très petites entreprises. Donc, notre objectif, c'est de devenir une bonne entreprise moyenne, régionale, qui est capable de faire des ouvrages importants. Donc, qui pourrait être une alternative aux grosses multinationales quand on arrive à des budgets de travaux assez acceptables.